Alors en plus, il y a une chose, c'est que j'ai sorti un album qu'on voit là, qui a été un peu l'objet du scandale. C'est le mur du silence. Alors le mur du silence, vous comprenez une chose, c'est que il y a un tabou en science. C'est il est interdit de supprimer les ondes de choc. Voilà. Et ensuite, corollaire, il ne faut pas étudier ce qui est rond. Alors, est-ce que vous pouvez développer Et voilà, c'est tout. On a du mal à comprendre ce tabou au vu de l'extérieur. Je ne suis pas scientifique. Est-ce que vous pouvez développer un peu? Parce qu'a priori, les ondes de choc, qu'on veuille les supprimer ou pas, moi, ça ne change rien à ma vie. Mais... Bien sûr, mais comment je vais vous dire un tabou, par exemple? Je pense à la phrase de Picabia qui dit « même si c'est vrai, c'est faux ». Mais c'est ça. Je veux dire que vous tombez face à un mur. Hein, quand vous avez tout qui foire, vous dites « qu'est-ce qui se passe ?» Vous ne comprenez pas. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas. Et alors, on est dans l'irrationnel. Comment voulez-vous que je vous explique quelque chose d'irrationnel? C'est pas possible. Alors, quelque chose de moins irrationnel, peut-être, c'est en regardant les émissions dans lesquelles vous passiez dans les années 90, on a l'impression d'une grande liberté de ton. Je pense notamment à celle qu'avait fait Berkoff avec vous et Benveniste et d'autres. Bon, il y avait une grande liberté de ton qu'on ne trouve plus dans les médias actuels et on imagine qu'on ne pourrait plus vous inviter aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez eu des invitations que vous avez déclinées? Non, parce que non, je vais vous donner un exemple. C'est une émission de Berkoff, effectivement, elle est sur Internet, on peut la voir. On est avec Benveniste et tout ça. Là, il y a une anecdote comme ça là-dedans. Bon, effectivement, ce livre, cette émission est montée par Berkoff. Justement, Berkoff, c'est votre collaborateur. Ah oui. Donc, évidemment, vous allez parler de ça avec lui, vous en avez peut-être déjà parlé. Donc, Berkoff monte cette émission et. Ma foi, avec Benveniste, on s'y rend. Et moi, j'arrive par le train de nuit à 7h30 à la gare Saint-Charles, à la gare de Lyon. Quoi. Et puis l'émission devait être enregistrée, je ne sais pas, à 10h ou 11h. Donc je me dis, le plus simple, c'est d'aller me mettre dans un café qui est à côté du studio où c'était enregistré. Donc je me mets dans ce café, et puis finalement, dans ce café, on voit arriver les intervenants les uns après les autres. Quoi. Et à ce moment-là, je vois arriver les intervenants, et je vois par exemple Louange. Le gars qui a beaucoup travaillé avec le GEPAN là, sur le traitement d'image. Et Louange dit oh, les lettres dont vous parlez, là, que vous évoquez, moi je peux vous en faire à l'appel. Je dirais non, sur le plateau, je vais vous mettre au défi de le faire et vous n'y arriverez pas. Parce qu'il y a de la science là-dedans. Bon. Alors, il s'est méfié. Il y avait aussi un spécialiste des effets spéciaux de la télé qui disait oh, mais ces choses-là, moi je vous fais ça quand vous voulez. Non, non, vous confondez. Ne confondez pas effets spéciaux et science. Bon, deuxième type. Donc j'ai réussi à désamorcer un petit peu les intervenants, comme ça, un peu les uns après les autres. Et puis, il y a une chose qui s'est passée. Alors, vous pourrez en parler à Berkoff, puisque c'est votre collaborateur. Je ne sais pas s'il est au courant. Mais j'étais dans... J'étais dans le café. Et tout d'un coup, à la porte, je vois se pointer quelqu'un, payant, carrément. Je le vois, comme si c'était hier, je le vois à l'entrée de la porte. Autrement dit, il venait, en quelque sorte, donner ses instructions aux autres. Parce que vous avez vu comment se déroule cette émission. C'est une fausse au lion, c'est une bataille. C'est vraiment un combat de catch. On s'est bien battu, c'est assez marrant. Hein. Mais, comment dire, qu'est-ce que mes fous de Payan à 9h du matin, comme ça. Et quand il m'a vu, il a fait demi-tour. Vous pouvez rappeler qui est Payan? Alors, Payan, c'est l'homme qui était derrière toutes ces affaires. Mais vous savez, je veux dire que, ma foi, on va essayer de faire un tri, mais Payan, c'est l'homme qui est venu me trouver en 76, après mon accident de travail, parce que je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais en jouant avec cet électro-aimant de 250 kg, il m'a envoyé à l'hôpital, quoi, bon, etc. Et... il a, en fait, Payan, c'était l'homme de l'armée. Il y avait l'armée derrière, quoi. Et Payan a eu cette phrase que m'a répété Pierre Guérin, qui est mort maintenant. Et écoutez-la parce qu'elle est pesante. Tôt ou tard, Petit devra être écarté des recherches à cause du contexte. À cause du contexte. Et le contexte, c'est les applications militaires. Vous voulez dire que le militaire a une influence directe sur la science, la recherche scientifique aujourd'hui. Oh là là là, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Et là, c'est...